Ouh, bienvenue à tous, nous allons parler du patch note de Anthem, la version 1.0.3, qui va sortir aujourd'hui le 9 au lieu du 12, du coup, elle est un peu en avance, donc ça c'est bien, c'est bien. Alors, c'est très long, hein, regardez ça, c'est très très long, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. C'est quand même long, donc on va zapper énormément de choses, on va zapper les petits fixes, tout ça, genre des petits détails qui sont importants, mais sinon la vidéo elle va durer 3 heures, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais parler des gros points, des choses qui sont très bien, des choses qui sont très mauvaises pour l'avenir du jeu, surtout, pour l'avenir du jeu. Alors les gros points ils sont là. Alors pour le moment il n'y a pas de version française au moment où je fais la vidéo, donc c'est moi qui traduirai. Et vous débrouillerez après. Donc on va parler de ces 4 points-là. Alors il y a des gros problèmes avec ces 4 points-là. Il y a 3 choses qui sont bien. Il y a la quatrième, elle est horrible. Alors fixe de nombreux problèmes par rapport à l'audio. Donc c'est surtout sur PC. Parce que la version console a ce problème-là, mais moins. Nous sur PC, le son coupe. Aucune raison. Ça peut être en chargement, ça peut être en combat, ça peut être en foutant strictement rien. Le son coupe, t'es obligé de relancer le jeu. Extrêmement relou, ça a été fixé, super. Stabilité sur les plateformes, sur toutes les plateformes par rapport au crash et aux déconnexions. Voilà, aux problèmes de connexion. Donc très très bien, merci BioWare, c'est bien. Enlèvement, alors ils ont retiré les drops blancs et verts une fois que le pilote atteint niveau 30. C'est bien. Maintenant, il faudrait voir en fait comment la table des drops marche. En théorie, je pense que c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va avoir plus des autres couleurs, hein, bien sûr. Sauf s'ils ont remplacé le blanc et le vert par une autre couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre forcé d'avoir par exemple du bleu ou du violet. Genre on pourrait pas avoir de l'orange ou du légendaire par-dessus. Enfin bref. Après là, c'est un peu la spéculation. mais il y a des trucs que je retiens. Donc pourquoi je suis un peu, j'ai un peu montré mon aigreur par rapport déjà au blanc et au vert, qui est une bonne nouvelle, mais ça peut partir dans les mauvais côtés. C'est ça. Alors apparemment, pendant leur stream, ils ont menti. Ou alors ils ont changé d'idée. Alors personnellement, le stream il était il y a 2 jours, je crois. Moi j'étais en train de streamer du Anthem, tout ça. Et jusqu'à ce que eux ils stream, et du coup je l'ai retransmis sur ma chaîne, on en a parlé avec le chat et tout ça, j'ai traduit en direct et tout, c'était cool, sympa. Sauf que, alors, là on va parler des respawns dans les zones restreintes, donc les zones restreintes comme par exemple le boss, et je crois que à chaque zone avant les coffres, il y a une zone restreinte où vous ne pouvez pas réapparaître, vous êtes obligé d'attendre qu'un collègue vous fasse revivre. Alors, ils avaient dit qu'ils allaient enlever la plupart des zones, genre 60, 90%, 80%. Alors pour moi, ça se traduisait comme ça. Et ils disaient que c'était 30 secondes la réapparition. Donc moi, ça se traduisait comme ça, personnellement. Donc la zone du boss, elle est pas changée. Donc si t'es par terre, faut qu'un allié te récupère. Et après, les zones d'avant, genre donc après les coffres, si je dis pas de conneries, là oui, là t'aurais une réapparition automatique au bout de 30 secondes. Ils avaient dit 30 secondes. C'est des conneries apparemment. Apparemment ils ont ou changé leurs idées, ou alors je sais pas, mais ils ont rendu le jeu extrêmement utile. Ça, apparemment, parce que là ça dit pour les missions d'agent, non-endgame mission, respawn, time de 10 secondes. Donc vous avez un respawn de 10 secondes partout, de ce que je vois. Et après, en forteresse, contrat légendaire et les missions de fin de jeu, le respawn est de 30 secondes. Ouais, c'est pas ça que t'as dit en stream, mec. Donc là, il n'y a plus besoin de faire réapparaître quelqu'un. Il n'y a plus besoin. Il y a un truc qui est marrant. Vous rappelez le Colosse? Avant, il pouvait pas récupérer son pote quand il avait le bouclier levé. Maintenant, il peut le faire. Ce qui est vachement bien, hein, ce qui est vachement cool, parce que le tank, tout ça, il peut résister, il a le bouclier levé. Il récupère son pote. Pourquoi tu le ferais maintenant? Ça sert strictement à rien. Dans 10 secondes ou 30 secondes, ça dépend ce que tu fais, ton pote, il est debout. Voilà.
honnêtement, ça devient un jeu super casu. Et on... Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, non, mais c'est bien, parce que moi, je suis resté des fois, pendant le combat, par terre. Oui, mais tu joues sûrement avec du pick-up, donc t'es tombé avec des connards. Moi aussi, je joue avec des connards de temps en temps. Ça m'arrive, c'est pas grave. C'est le jeu qui est comme ça, c'est pas grave. C'est un jeu de communauté, c'est un jeu multi, ça arrive. Donc là, apparemment, il n'y aura plus aucune zone où tu restes par terre. Tu vas tout le temps réapparaître. Tout le temps. Moi, je dis non. Les boss vont être sup... Les boss, tu peux pas perdre. Alors, pour moi, ça se traduit comme ça. Les boss, tu peux pas les perdre. Parce que tu vas tout le temps réapparaître. Si tu fais un de dégâts et que tu meurs, tu réapparaîtras. Si tu continues à faire un de dégâts et que tu meurs, tu tueras le boss. Tu ne perdras jamais. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Alors, j'espère vraiment que ça, c'est mal fait, c'est mal expliqué. Et que sur les boss, tu crèveras quand même. Tu resteras à terre. Parce que si c'est vraiment ça, le jeu est devenu ultra, ultra simple. Énormément de fixes. On va pas en parler. C'est pas vraiment intéressant. On va d'abord pas... Ouh la vache. On va parler des titans à la fin de la vidéo parce que ça, ça va vraiment me mettre mal. On va parler de ça, ça c'est intéressant. Alors, BioWare, Ben Irving, en stream, il avait dit qu'ils allaient parler du... Ils allaient changer le fait que, par exemple, le Ranger, le commando est très bas par rapport aux autres javelins. Il fait pas assez de dégâts, il est pas assez important, il est pas assez intéressant. Honnêtement, il n'a pas de justification, encore une fois, dans un groupe de endgame. Genre en GM2+, GM3, il n'a pas de place. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre opinion, c'est la mienne aussi. Vous la prenez comme vous voulez. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur le commando. Allez la voir. Et vous verrez de quoi je parle. Alors, maintenant, ils ont parlé en fait du scaling, donc l'échelle par rapport à votre niveau sur la difficulté du jeu. C'est-à-dire que maintenant, plus la difficulté est élevée et plus votre niveau, donc l'item power, la puissance des objets en fait est haute, plus par exemple vos coups de mêlée et tout ça vont augmenter. Parce que les coups de mêlée, les coups de corps à corps, de base, n'ont pas l'air d'augmenter. Plus vous êtes puissant, ils augmentent pas en fait. Ils sont surtout augmentés par une stat qui est complètement aléatoire. C'est les dégâts corps à corps. Les dégâts, c'est assez. Ça, tu le trouves quasiment jamais. Et il y a très peu aussi d'habilités qui peuvent augmenter les dégâts de l'intercepteur en mêlée, par exemple. Donc du coup, les dégâts de corps à corps sont très très bas et restent très très bas et pas utiles. Donc là, apparemment, le système de scaling, donc de l'échelle par rapport au niveau des objets, au niveau de votre personnage et niveau de difficulté, va changer. Et du coup, ça va s'arranger. Alors, les dégâts de corps à corps, ça c'est cool. Les dégâts des combos, parce que, par exemple, vous prenez le commando, le combo, il était pourri du commando. Ça fait pas de dégâts, ça fait pas assez de dégâts. C'est tellement à la ramasse. Donc ça va être bien. Les ultimes aussi vont augmenter, donc... En théorie, encore une fois, le commando va faire un super... Peut-être pas un super ultime, mais va être intéressant. Les effets... Les statues effect. Alors, les effets de statues... Alors, je sais pas s'ils veulent parler des dots, ou alors juste simplement le fait que... Pour mettre le statut, par exemple, pour geler quelqu'un, pour mettre de l'acide, etc. Est-ce que ça va être plus facile de le faire? Ou alors, est-ce qu'ils parlent des dots? Peut-être que les dots vont être augmentés, tout simplement. Et après les objets, les armes en fait qui ont des rajouts d'attaque. Donc par exemple la foudre d'Ivenia qui fait de l'éclair une fois sur trois. Vous avez la vengeance divine qui fait une explosion. Donc tout ça devrait être amélioré de ce que je comprends par rapport à ça. Donc tout ce qui est dégâts en plus sur des armes vont être améliorés. Ouais, non, ça on s'en fout. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant. Alors personnellement, moi je le traduirais comme le patch pour le Ranger, pour le commando en fait. Parce que, alors personnellement, moi j'utilise un commando... Allez voir la vidéo, vous verrez les détails honnêtement. Mais il utilise du combo, il utilise l'ultime et il utilise la vengeance divine qui fait des explosions de feu quand vous tirez trois fois dans un point faible, donc par exemple. Donc en théorie, ma théorie à moi, faudra tester le jeu, mais ma théorie à moi, c'est que les combos vont faire très mal, j'espère le double de dégâts au moins. L'ulti pourra faire peut-être 50k par missile,
ça serait cool. C'est, honnêtement, ce serait cool. Et la vengeance divine va aussi faire plus de dégâts. Pour moi. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Après, il y a eu des balances par rapport à certaines habilités. Genre, par exemple, des dégâts qui sont augmentés. Par exemple, le mortier du colosse qui était de 145 de base, qui est passé à 300. Des trucs comme ça, qui passe à 42 au lieu de 30. Il y a une habilité pour l'intercepteur qui passe à 250 et maintenant qui peut mettre un effet élémentaire par rapport à son aura, des trucs comme ça. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Les murs de vent et la bulle du commando, par exemple, le mur de vent du storm, de tempête et la bulle. Maintenant, au lieu de rester 60 secondes, elles vont rester que 20 secondes. Par contre, apparemment, les HP que ces bulles ont, ces protections, sont complètement décuplées maintenant. Donc, apparemment, ça devrait être utile en fin de jeu. Voilà. On verra ce que ça veut dire. On verra si c'est vraiment utile. Personnellement, il n'y a personne qui les utilise. Maintenant, et après la mise à jour, je pense qu'il n'y aura personne qui les utilisera. Toujours, c'est parce que l'habitude tout simplement. Alors après il y a des masterworks, donc des oranges qui ont été montées. Donc ça c'est tout, les dégâts qui ont été montés. Faut voir de combien. Honnêtement on sait pas encore, donc on verra quand la mise à jour sera sortie. Ça peut être de 10 dégâts, ça peut être de 100, ça peut être de 300. Donc c'est bien parce qu'il y en a qui étaient vraiment bidons, mais voilà, faudra voir. Maintenant, on va parler... Après, il y a encore des fixes. Il y avait des inscriptions qui expliquaient pas vraiment comment ça marchait. Je sais qu'il y a le truc du pistolero, je sais plus quoi, du Storm, qui va être remis à jour, qui marche maintenant. Voilà. Allez voir si vous êtes curieux pour ça. Maintenant, on va parler du Titan. Waouh. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Dans Anthem, t'avais un seul monstre qui était dangereux. Honnêtement. Si vous dites le contraire, franchement, ou vous jouez au mauvais jeu, ou alors vous avez pas vraiment testé d'être meilleur. Ou pratiqué, je sais pas, mais... Il y avait un seul monstre, un seul ennemi qui pouvait vraiment être dangereux, c'était le Titan. Même les furies... Alors je sais que les furies font extrêmement mal. Mais les furies, vous popez tous l'ultime, vous défoncez la furie. La furie ne peut rien faire. Les titans, vous popez tous votre ultime. Le titan, il est immunisé la plupart du temps. Le titan a un pattern à apprendre. Le titan a des points spécifiques où il faut tirer, où il faut faire des dégâts. Le titan est spécial. Le titan est intéressant en combat. Là, ils ont complètement... Enfin, faudra faire encore des tests. On verra si les titans restent intéressants ou pas à combattre. Mais là, il y a des problèmes. Alors, vous vous rappelez que si vous tirez sur un titan avec une arme à feu ou alors un lance-flamme, des trucs comme ça, ça fait zéro de dégâts, en fait. Sauf si vous tirez dans les points faibles. Mais la plupart du temps, vous allez faire zéro de dégâts. Donc, il a une mitigation de dégâts, en fait, de 100%. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, ils l'ont changé. Ils ont mis 70-75%. Donc en gros, même si vous êtes complètement bourré et que vous tirez pas dans les points faibles, vous ferez quand même des dégâts. Waouh, ok, merci, sympa. Maintenant, les points faibles du titan, donc les weak points qui sont exposés, vont rester plus longtemps exposés. Alors, je sais que les points restaient pas longtemps exposés. Je sais que... Honnêtement, le titan a un pattern. Et le truc, il a 4-5 attaques max. Il en a pas beaucoup des attaques, le titan. Il prend un truc par terre, il fait ça, c'est une boule de feu. Il met ses mains ensemble, c'est les anneaux. Après, il fait ça, c'est la boule de feu qui apparaît sur toi. C'est tout, quoi. Ah oui, il ouvre le torse laser. Ah, c'est bon, quoi. Tu peux les apprendre, quoi. Tu peux te placer... Quand tu vois ses mouvements, tu peux te placer dans son dos ou tu peux te placer vers à côté de ses mains et être prêt à tirer. Mais bon, voilà, le temps maintenant est plus long. Alors après, il y a des choses intéressantes. Il y a des fixes. Donc apparemment, il y avait des effets en fait qui se mettaient pas vraiment sur le titan. Personnellement, moi, je pensais que c'était le titan parce qu'il était résistant, hein, parce qu'il était puissant.
Mais en fait, non, apparemment c'était des bugs. Désolé, pardon. Apparemment c'était des bugs. Mais on va pouvoir appliquer des éléments pour faire des combos dessus. Voilà, maintenant c'était un bug apparemment, mais on va pouvoir faire des gros combos dessus, donc il va prendre extrêmement cher le titan. Aussi, ils ont augmenté le nombre de dégâts qui va se prendre quand tu tires dans les points faibles. Pourquoi? Je sais pas. Après, les petits titans, donc les titans qui ne sont pas adultes, vont avoir les points faibles toujours exposés. Alors, j'espère pas que ça va compter le dos, parce que dans le dos, ils prennent genre 400% de dégâts en plus. C'est un truc de fou. Donc, les petits titans, ça va être des cafards. Ça va être des cafards. Et après, ils ont amélioré la collision avec les anneaux de feu. Vous savez, les anneaux de feu. Et les projectiles qui balancent, donc les boules de feu, pour les rendre plus faciles à esquiver. Alors je sais que les titans sont chiants à esquiver, il faut les apprendre honnêtement. Pourquoi? Alors si vous le saviez pas, dans Anthem il y a un truc bizarre, je sais pas si ça vient du lag ou ça vient du jeu qui est comme ça, qui est codé de cette façon. Mais imaginons t'as la boule là, et ton javelin il est là. Si t'esquives quand t'es devant la boule, genre tu te mets là, tu fais du roi de gauche... C'est trop tard, tu vas quand même te prendre la boule, tu vas quand même mettre en feu. J'ai remarqué que si tu esquives bien avant que la boule soit proche de toi, la boule en fait perd ta trajectoire en fait. Elle perd elle est complètement à la ramasse, la boule te perd complètement. J'ai fait des combats, je me suis jamais fait toucher pas colosse parce qu'il peut pas esquiver. Avec les trois autres trucs, je me suis mis devant, je me suis jamais caché. Maintenant je les connais très bien les titans, mais... Essayez d'esquiver en fait avant, pas au dernier moment, mais avant, la boule ne vous touchera jamais. Et après les anneaux, alors oui, c'est vrai que les anneaux avaient une sorte de hitbox un peu plus large que l'anneau lui-même. Mais bon, et encore une fois, enfin tu vois que quand il fait les anneaux, tu voles, tu sautes deux fois, tu l'esquives quoi. Enfin c'est pas dur, franchement. Et après ils ont réduit le radius par rapport au projectile qui te suit. C'est vrai que le projectile était un peu démesuré. T'avais le titan à au moins 3 mètres, enfin 300 mètres plutôt. Le truc, la boule, elle est arrivée sur toi quand même. Même quand tu voyais pas le titan, des fois, t'avais une boule de feu qui t'arrivait dessus. Ok. Et après, alors il y a un truc très étrange. Réduit les dégâts de l'autodestruction. Pourquoi ? Pourquoi ils réduisent les dégâts de l'autodestruction? Il y a des gens qui... Il y a des gens qui vont dans la... Il y a des gens qui vont faire un câlin au titan quand il est en autodestruction, quand il s'explose? Qu'est-ce que... C'est quoi la connerie, là? Je sais pas. C'est bizarre. Enfin, bref. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là, quoi. Honnêtement, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que le jeu est devenu super casu. Alors, je le dis pas méchamment, honnêtement. Je le dis pas méchamment, genre, bah, t'es un casu, tu sais pas jouer, ça t'apprendra. Non, je le dis pas méchamment. Mais je le dis d'une façon où le jeu devient peut-être un peu trop gros. Trop grand public. Alors, je sais que déjà la base de fans, elle est petite et tout ça, machin. Mais encore, essayer de garder un niveau de challenge dans le jeu, un niveau de difficulté quand même qui est assez... Enfin, qui est même pas haut, honnêtement. Le jeu est pas dur. Mais qui est assez... Enfin, voilà, le titan, il fallait apprendre le pattern, le titan. Tu vois ce que je veux dire? Le titan, il fallait apprendre comment il combattait. Moi, au début, j'ai joué Colosse. J'ai fait Colosse. J'ai monté du niveau 1 au niveau 30 Colosse. J'ai joué Center de Colosse au début. Je savais même pas ce que c'était l'esquive. Je peux pas esquiver en Colosse. J'ai combattu des titans. T'imagines un peu la gueule que je faisais quand je combattais des titans au début, que je les connaissais pas bien. Avec les boules de feu qui m'arrivaient tout le temps dans la gueule. Les anneaux de feu qui m'arrivaient tout le temps dans la gueule. Tu crois que j'étais là en train de sourire? Non, je luttais. Maintenant, les titans, je les défonce seul en GM1. Même GM2, je le fais. Parce que je connais leur pattern, parce que j'ai appris à jouer contre eux. Là c'est un peu... Là, c'est dangereux, parce que là, t'es en train... Enfin, BioWare est en train de baisser la seule difficulté du jeu, j'ai l'impression.
Donc ouais, je pense que ça pourrait être quelque chose qui tue le jeu petit à petit. Genre aucun challenge, aucune difficulté, aucun fun à jouer. Voilà. Et ça en plus, ça aussi. Ça, là, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Parce que si vraiment tu respawns tout le temps, même au boss, pour moi, ça veut dire que tu tueras tout le temps les boss. Tu peux pas fail. Tu peux pas fail. C'est impossible de le faire. Ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui suis trop sévère? Je sais que je vais avoir encore des commentaires à la con, hein, avec les gens qui me disent « Oh, mais tu critiques tout le temps !» C'est des critiques constructives, espèce de... Ah, putain de merde, désolé. C'est des critiques constructives que j'essaye de faire. J'essaye de faire en sorte que ce jeu essaye de survivre, quoi. Survivre la première année, sérieux. Là, c'est des fixes. Les fixes sont bien, mais... Les titans, fallait pas les toucher. Les titans, ils étaient très bien comme ils étaient. La réapparition était très bien comme elle était. Parce que ça veut dire que des gens se sont plaints. Les titans, les gens se sont plaints pour les respawns. Et les gens se sont plaints pour les titans aussi. Ça fait peur. Ça fait peur. Enfin bref, on va s'arrêter là. Regardez la description, je mettrai ça dans le lien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut. Ciao. Putain. Le jeu de casu, quoi. Ciao.